Si c'est moi-même qui te dis, si c'est moi-même et donc qui t'a dit mais qui ça qui a passé en République Dominicaine, ou t'as dit m'a fait causer, ou t'as dit m'a inventé, m'a mis passé gain, m'a dit ça qui pas fait vrai, eh bien nous pour le faire autant de Alexander Galvez qui lui-même et donc à vivre l'autre bois même qu'à vivre ça qui a passé haïtien haïtienne et compatriotes nous yo frères et nous yo et qui jodi à là a passé un véritable et problème en bas mais Abinader président République Dominicaine nan qui li même pas vle wè haïtien même depuis tout ça a monté sous pouvoir ça donc c'est misère haïtien a passé et qu'on y a bagay yo vin pi grave bagay yo dégénéré parce que monsieur décidé faut qu'il retire tout haïtien k'a vive la kayli et kayap krasé femme qui gros vent a pas couché dans la rue et puis soldat dominicain même campé a garder yo bagay la grave mesdames et messieurs nous pas gain image mais nous pour le faire autant d'Alexander Galvez qui lui même a glo dans yeux c'est pas nous qui dit nous pour le faire autant d'glo dans yeux Alexander Galvez lui même obligé et donc a dit qu'il sale ouais qu'a passé le bois bagay la grave bagay yo du coup haïtien bagay yo vraiment compliqué et nous connaît gouvernement pays nous son paquet et donc une équipe fait rien yo pas utile rien quel que soit ça on haïtien t'a passé l'autre bois kay voisin nèg pa kié parce que yo senti yo à l'aise et bien ça qu'a passé haïtien dans République Dominicaine là son bagaille qui pas capable faut triste ou pas capable crier on regarde image on regarde ça qu'a passé bagaille triste et bien mesdames et messieurs ça nous pas parler trop nous pour faire autant de Galvez qui dit même pour aller mettre causer à terre après vidéo ça me connaît grand pile monde qui pral crier mais n'a dit et prend courage frère kembe cœur qui ont les cap privé haïtien et payer nous pour aller en République Dominicaine mais nous pas jamais mettre pied nous côté ça parce que dominicain même si c'est pas toute mais majorité dominicain pas aimer haïtien tout détail restez sur vidéo yo pas épargné personne donc grand pile monde qui applaudit Luis Abinader comme ça gagne monde qui critiquer monsieur. En pour un dernier mot, non mais Alexander Galvez. Galvez, comment nous est? Nous là, on a fait du rêve. Nous là, oui. Oui, nous avons un rêve de cabrit. Pas un problème. Ça qui passe, et moi je dis, la situation paraît compliquée pour les Haïtiens qui vivent en République Dominicaine. Ou même où sont les gens de bord. Je ne sais pas qui est plus penché, mais où sont les gens de bord. 50-50. Comment ça qui passe là? Dis-nous petit bagage, non? Mon cher, mais ça passe. Moi-même, jusqu'à ce que mon rire m'a pris dans des bois. Parce que pas bon bois qu'à pour, car j'en voyais, j'étais avant 25 ans. En tout cas, dans tous les bois, j'ai fait mourir. Et moi, ça passe premièrement. Et attention, tout le monde a donné l'émission ce soir-là. Premièrement, pas bon haïtien, nous déporter avec papier dans même. Mais comme, mais ça passe. Haïtien, c'est un domaine, il n'est pas pour normal à tout le monde, à la dame correct. C'est pas vrai? Quand il y a, on y a vu, ils ont dit pas au prince, ils ne passent pas à la caille, et puis là, le cabaret, là, le marché dans la capitale, sans aucun document. En pensant, dit que ça va le passeport, parce qu'ils vont le capon la même, et dit, toi, tu ne passes pas. Là, une garçon, je ne veux pas, je viens avec vous. Haïtien, pendant qu'on passe un domaine, malgré tout, toujours marcher avec vous dans la poche, non, parce que c'est le moyen pour identifier, non. On a si ça qui passe, il y a toujours ça qui a passé dans le moment, là, pendant qu'on parle là. Dans le moment, effectivement, bien d'air, et si on décrète, mais quand il y a crasé, c'est pas quand il y a crasé. Il y a crasé tout, par les domaines, volé à lui, même avec Haïti. L'État, des gens qui volent PA, qu'on a l'État qui volait PA, qu'on a l'État obligé de dédommager au papier. Qu'on a décret qui prend, c'est qu'il dit, nous, tous Haïtiens, tous citoyens étrangers, qui t'a volé l'État, il n'y a pas oublié bien deux classes d'immigrants haïtiens qui étaient haïtiens et vénézuéliens. Et bien, il y a quasi caillou, il y a des bouteilles et il n'y a pas content de payer le mécanisme encore. Mais il y a des risques, c'est ça qui va me problème. Tout ça passe à la dimanche. Ça me problème, c'est Adam, non, c'est moi qui ai accouché d'une année. C'est pas longtemps, autorité haïtienne, dans la Rona, c'est annoncé, je ne dois pas le mettre en antenne d'une année. Comme on veut au consulat. Imaginez la distance que côté d'Amna Koujate avec le commissaire haïtien, il y a 4 km 22
pas qu'il y a 22 mètres de distance. Ça veut dire qu'ils ont la figure là. Imaginez-vous, madame n'a pas eu temps, mais pas qu'il y a une autorité haïtienne qui prend malgré nous à 4 km de distance. Mais tu y a TV. L'île à l'étang, c'est pas pour nous faire grève. C'est pas pour nous faire manifestation. Qui t'en a fait? Parce que vous les jours, n'ont pas mal. Nous qui font TRTB. Haïti, c'est un dingue, parce que pas respecté, mais cause à TRTB. Premièrement, Dominicain, plusieurs n'ont eu à regarder comment vous même en Haïti, vous avez été pour petit la caillou. Premièrement, Dominicain a regardé comment, moun qui n'a prison, n'a pas été national, comment il a mangé, comment il a dormi, le jour, il a mis un bon moment les pieds sous. Dominicain a regardé tout, TRTB. Comment route Maïga Kéaïe et côté l'Université de l'Église haïtien est à l'école dans pile fac la santé. Il y a des gens qui ont fait la pays. Il y a des gens qui ont fait tout. Mais bon, même si on a fait la délice, c'est le moment au jamais pour nous orgueil nous. Quand on a fait noir, moi-même, je ne vais pas dire rien. C'est nous-mêmes, c'est moi-même avec nous tous, pour nous dire bon, on a été inscrits sur la caille nous. On a été des ministres concernés. On a été étrangers. On a été braillés. On a des mercenaires pour nous être ministres. On a des messagers. On a des haïtiens qui connaissent. Nous devons asphalter, nous devons bien de l'eau, nous devons bien manger. Qui est haïtien sur ce domaine, je vous dis là. Là, l'acheter, attendez, citron. Là, l'acheter, cocoyer. Là, l'acheter, toutes sortes de piments que je connais, chico, tout ce qui m'a nous cassons Haïti. Haïti nous cassons l'être Haïti. Imaginez-vous ce domaine. Où est-ce que vous avez l'être domaine? Ni l'aide de cela, c'est demain convertir en plusieurs bagages ce domaine. Nous même n'avons pas qu'être en Haïti, nous allons côté au fait. Je veux dire là, c'est bien. Gardez Belade. Vous connaissez Belade très bien. Je veux dire Belade, c'est un côté qui est plus rapide qui gagne. Eh bien, pour qui ça, nous-mêmes, les Haïtiens, nous allons être dans ça, nous disons bon, eh bien, comme nous connaissons la comment ça qui passe plus souvent, allons construire l'hôpital. Comment l'hôpital coûte pour nous prendre l'hôpital? $5 million à ton hôpital avec toute cette plate-dame pour qu'on vienne accoucher. Et elle te dit, moi-même, pas crier dans le téléphone. Ça fait mal. Vous l'avez fait mal. Parce que moi, regardez, vous-même qui ministre, je dis là, vous voulez qu'on paye, vous allez cacher à l'étranger. Malgré, vous mettez quoi dans le bout de l'eau, vous dites, c'est pas vrai. Et elle te dit, vous-même qui a regardé, oui. Vous-même qui a regardé, même si vous avez gagné tout. Avant de finir, je crois qu'on est l'ONU. C'est Haïti, l'ONU a crasé net. Parce que l'ONU, il est là seulement pour porter, pour craser. L'ONU n'est pas là pour construire rien. L'ONU n'a aucun droit pour la partie de nos églises. Parce que l'ONU, il est vrai pour moi, il va nous coller là. Il n'est pas de dommager nous. L'ONU n'a pas de route. L'ONU n'a pas de la main. L'ONU n'a pas de rien. L'ONU n'a pas de nous secouer. Haïti, comme monde, je crois qu'on a fait l'ONU. Moi-même, je m'en ai protesté. Haïti n'a pas de plainte, n'a pas de contre lui. Parce qu'il y avait un repos. Parce qu'il y a bien des jours là. Ce n'est pas qu'il y ait près de 4 millions haïtiens qui ont mangé. Même si on a caché, mais on mangeait au moins. On joue au manger. Je dis, il y a 5 millions haïtiens qui ont mouru à la porte au prince, sans manger. Viens côté des poyaux, manger au gâteau. Nous ne pouvons pas venir manger là. Haïtiens, à la honte de la tête. Si nous voulons payer à manger, vous voyez. Si nous avons des dépenses de blanc, on a la tibonite, on a la veine torbec, on a mis du riz sous pied, on a le planté, on a suspendu de manger blanc, on a suspendu de manger spaghetti, nous cassons plein de pays tout. C'est le moment où j'aime pour nous dire oreille et pas haïtien. On a demandé la presse haïtienne ça. On a demandé tout le monde en général à nous prendre une image pita qui a couché Jimani, qui a vomissant, qui est à terre, ou après tard, puis on vient à toi. Mais tout le monde qui est coupable, ce n'est pas Abinader. Tout le monde qui est dominicain. Ma fille, c'est nous-mêmes qui coupables. Vous-même, ministre, qui t'a dépensé 111 millions de dollars pour qu'on agisse là. Ou voler comme là. Ou vous voler l'argent. Je dis, on va pas tout en prison. Je dis, on va pas droit parler d'Haïti. Parce que vous-même, c'est voleur privé. C'est ça que nous, la presse haïtienne, ça, soit nous pour quitter Haïti, mais nous parlons là, tel comme nous l'est. Je dis là, vrai bandit, c'est l'ONU qui est bien. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne pas bandit. C'est malheureux, nous voulons vivre.
Mais l'ONU connaît, il va nous coller là. 400 000 personnes mourir, il va dédommager nous. Il va faire noyer. Je dis à l'ONU, j'ai qu'à, moi-même, si on a bien l'air, si on va glisser, nous avons foutu dans le monde d'ailleurs. C'est pas dans Saint-Domingue. Je dis à Saint-Domingue, je dis à là, c'est vrai à lui-même. Nous avons 4 millions d'Haïtiens qui ont pris Saint-Domingue. Mais nous avons 5 millions d'Haïtiens qui ont pris la grande bouche qui n'a pas de prince, qui n'a pas mangé. Je dis à Saint-Domingue, on passe écouter 30 dollars. Saint-Domingue, on va écouter. On va coûter 60 dollars, on va en coûter. Nous pas qu'à manger, pas de l'eau. Eh bien, sans dire ma paix, Denis. Je veux dire là, nous besoin, nous m'en aller à l'envie. Joignons un consensus entre nous tous, entre Michel Maurice, Jean-Charles, Michel Maté. Nous pas besoin de connaître, Haïtiens, nous connaissons. Nous tous Haïtiens, ou t'en de quoi des bouquets, Matisseurs, Métiers, en nous mettons ensemble. Au moins, nous n'avons pas de temps à nous vivre là, nous pas de route là. En nous mettons un petit hôpital, au moins. Ma chère conseil, à nos quatre nous viennent comme ça. À nous faire payer, monsieur. C'est la tennis. C'est ça, là, je viens me lever, je viens me fâcher. Ma regarde comment on sent, ma haïtienne, à pas coucher. Je dis à la ministre de notre haïtienne, non. Ou pas, ouais, il est malade, il va quand même pisser. Il met des dates de soumis. C'est ça le pays, c'est la tennis. Quand on fait des rails à passer en Haïti, vous passez haïtien, quand on a une formation qui passe ça, on a même une vérité. Tout ça nous vient d'après nous là. C'est pour nous, parce que c'est le monde qui est avant nous. L'autre ministre, pour être dans le cachet, avec un pays, il va faire gros business. L'autre sénateur, pour être dans pays, il va faire gros business, il va faire gros tel, il va faire la caillou. Et il a dit, je dis à la, même l'être n'a pas en Haïti, il va arrêter ce nommage. Bouteille de l'autre sénateur, pas gagner en Haïti. Je dis à la, pour qui ça, nous avons un polio, c'est Haïti. Nous avons des cochons, pour ça va mettre des fermiers cochons en Haïti. Pour ça va mettre des fermiers poules, mais j'avais ce domaine pour le Sidao. Pour ça va faire, non, il y a tout petit dans le conteneur. Les poules la pourrie, on a fait, il y a des cloches à venir, on va venir. Pour ça ne pas faire ça, mettez ça pas au prince, mettez le caille, mettez Jacques Bébé, tout ce dans le pays. Je dis à la, si nous voulons nommer le pays, c'est pas jouer, c'est pas casser briser, c'est pas tout le ça, non. C'est la réalité. C'est le même, je dis à la saisie dans la pauvreté. Il dit nous faire, il faut arrêter nous tout. Il faut arrêter nous tout. On va dire, pendant un an, il faut déporter le monde. Qui ça a fait la frontière? On ne dit pas faire la frontière. Qui ça a l'état fait pour Haïti? Pendant un an, on ne sait rien. Mais je dis, si nous avons orgueil, et pas que le monde, et réellement, nous sommes tous des amis, et réellement, nous sommes haïtiens, qui sont fondés, qui sont mis en liberté dans le monde entier, pour nous ouvrir honte, pour ne pas nous glisser, pour nous dire, je dis à la, l'île à plan. Pour que nous-mêmes, nous avons été ensemble, nous allons lâcher les pieds, nous allons balader la coupe de poudre, ni coup de balle. On a dit quoi des bouquets, on a dit matissant, on a dit gravine, on a parlé avec yo, dis yo, mes amis, pays n'a pas appétit, parce que si nous faisons du pays, la mal. Comme si nous étions à des je dis là, il y a la politique dominicaine, si il est malade, il va à l'hôpital la caille. Je dis là, il y a la politique haïtienne, si il est malade, il va à l'hôpital. Et je ne vais pas passer le domaine parce que ce domaine n'a pas arrêté, ce domaine n'a pas un flèche chaud pour vous. Eh bien, on est la police qui m'a dit, qui ne connaît pas l'hôpital. Il y a la police dominicaine, qui est le décor de nos vins. Et je vais vous ouvrir la Binander. Le premier premier de la Binander, arrivé en Dominicani, en 1998. Le deuxième premier de la Binander, arrivé en 1945. Entre-temps, il faut nous dire que, ailleurs, M. Jacques Lafontaine est débarqué en Chango. Non, pas qu'un, mais pas traité. Est-ce que ces bagailles, sachez, personne ne va connaître. Mais un fait est clair, c'est que l'été accompagné de ces gardes du corps qui te permettent d'entrer. Alors, il faut nous dire que l'homme n'est pas commissaire du gouvernement encore, c'est normal, soit bien pour venir chercher bagaille, soit bien pour interprétation. Mais ce n'était pas le cas hier, c'est pas de passer à ce que tu as fait hier. Alors, monsieur. Et Jacques Lafontaine est débarqué en Chango, accompagné de ses partisans sous plan politique, qui était accompagné sous la demande, selon certaines informations, sous la demande de, du chef du gouvernement, M. Ariel Henry, qui est nous capable de dire, pas prudent même, parce que selon dernière lettre qui a circulé sous les réseaux sociaux, M. Jacques Lafontaine a gagné. Non cité, non question de corruption. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, M. Jacques Lafontaine, comme le disait Maître Azor, ailleurs, soumis au micro et maté débat, M. Jacques Lafontaine, à partir de cette décision, de la décision administrative qui mettait sous côté
qui prend décision, le ministre d'alors, à savoir M. Berthoud Orsay, qui prend décision pour mettre en disponibilité et M. Jacques Lafontaine, lui payons l'autre barrière pour le faire, c'est rendre au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui tranchait les décisions administratives. Donc ça veut dire que même pour le ministre, pas qu'à prendre décision à lui-même seul pour réintégrer M. Jacques Lafontaine en fonction. Ça veut dire, Esaü. Oui. Tout le temps. Et subir la compte pour qu'on baille décision. Oui. Non, mais est-ce qu'il y a un recours fait? Donc, là, monsieur fait recours. Là, monsieur fait recours. Parce que là, monsieur obligé de faire recours. Il est obligé de faire recours. Donc, là, il fait recours. Il faut qu'il y ait un résultat. Recours. Pour faire l'autre action. En allez, non. Voilà. Faut qu'il y ait un recours. Faut que monsieur Jacques Lafontaine produit un recours auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Là, nous, dans la loi, nous avons la question de gros point, nous avons la question de baïonnette. Baïonnette, c'est fait. OK? Constitution, c'est papier. Nous, dans la loi, ça règle, ça, la loi dit. La loi dit que les, ils ont pris une décision administrative contre vous. Ces mêmes gens sont policiers, ils ont révoqué où? Ou bien seulement recours auprès de l'inspection générale qui va le réhabiliter ou pour vous demander pour réintégrer. Et à partir de cette réintégration, vous êtes capable d'entrer en abolissant. L'autre fois qu'il y a une décision administrative qui, qui dit que vous réintégrer, vous réhabiliter nos fonctions, et laisse ça, vous êtes capable de gagner force probante pour capable d'entrer. OK, réoccuper pour ça. À savoir, maintenant je veux dire là, il est question de révocation d'un commissaire du gouvernement qui lui-même accusé une question de corruption. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ça qu'elle dit livré ou pas vrai, c'est la Cour supérieure des comptes qui va mener une enquête ensemble avec l'ILCC. Pas bien, non? À côté de la Cour supérieure des comptes là, qui va tranché sous question de décision, mais c'est l'ULCC, unité de lutte contre la corruption, qui t'a doué trancher sous dossier Jacques Lafontaine. Donc ça veut dire que je dis là, gouvernement a trouvé entre Nancy Soulier-Li, même l'a tablé réhabiliter M. Jacques Lafontaine pour mettre le ministre ou bien pour faire entrer, retourner dans le parquet, vingon problème d'éthique, parce que y a un monde qui gagne dans le site dans la question de corruption. Ça va me dire impliqué, mais qu'on y a là, faut gagner des instances qui concernent nos dossiers, qui pour trancher sous dossier, et là ça, à partir de trancher, ou va jouer une décision qui dit que un tel pas impliqué dans tel bagaille, il est capable, il est apte à réhabiliter nos fonctions comme commissaire de gouvernement ou bien comme ministre de la justice. Donc pour nous dire, Mounio Claire Esaü, ministre d'Orsay, belle et bien vivant. À partir de l'écriture, lui. Bien vivant. La décision du ministre de la Justice, à savoir M. Berthoud Orsay, lui était vivante dans la mesure où, même elle parle encore, la décision était vivante. C'est son chef hiérarchique. Mais cependant, ça qui vient à ouais à question décision pour réhabiliter monsieur sont l'autre bagaille. Donc ça veut dire aujourd'hui là nous face à une situation incontournable et côté monsieur Ariel Henry. Même l'État a décidé à lui-même seul pour réhabiliter monsieur Jacques Lafontaine, n'est pas capable et société à Valouel très mal. Pas le fort comme ça nous Esaü. On est en Haïti, parle fort comme ça, non? Non. Parle fort comme ça, pas oublier, c'est Haïti où est là. Non, même là. Parce qu'avec ses amis en commissaire, frère. Tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible en Haïti. C'est l'inverse. Et Josué Alexidon, même les en Haïti où est, tout n'est pas possible. Bon, ça nous beaucoup ouais ici déjà. Maintenant, si la lumière, moi, tout bas, c'est tel fort. Pablier, son question de la loi, Josué. Pablier, son dossier de corruption. Pablier, Jacques Lafontaine, comme commissaire du gouvernement, là, il pour la trancher sous question de corruption de certains individus ou de certaines institutions. Donc, ça veut dire, au moins qu'il y a une suspicion de corruption sous dole,
li pa kapab en aucun cas, même par éthique, même par morale politique, pour ta au moins accepter pour la rentrer dans nos dossiers. Non, mais ça m'a rappelé Esaü. Même Esaü, oui. Esaü. Bayo clair. Esaü. Oui. Ça m'a rappelé c'est que en Haïti nous ouais bagage ça ou déjà. Gnè nèg qui ont été révoqué pour corruption, gnè nèg qui ont révoqué pour malversation, et mais demain ou bien quelques jours après, yo vinn pi chef que j'ai été chef avant. Donc nous ouais bagage ça ou déjà. C'est pas étonnant, c'est pas surprise. Bon, c'est pas surprise, mais ça je dis ça, dossier ça. Si monsieur a apte à réhabiliter de ses fonctions, à réhabiliter et fonctionner comme commissaire du gouvernement ou bien comme ministre de la justice. Donc ça veut dire que docteur Ariel Henry trouve entre le clume et le marteau. Alors, l'autre bagaille qui gagne dans la République, c'est que José Lexidor gagne en pile gestion qu'a fait au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, au niveau de la cellule contre l'enlèvement, pour capable couper des kidnappeurs et qui a mis le pays dans la difficulté, qui mettait en plus le monde dans le problème. Alors, on dit que la police nationale a essayé de démerder davantage pour capable couper des bandits. On appelle ça tout bonne nouvelle, des bonnes nouvelles pour que, au moins, pour l'autre engin, et on nous dit blindé, que la police, l'État, il s'était commandé pour